Salut à tous. Donc, dans une précédente vidéo, on a vu comment faire la pâte, comment ensuite travailler la pâte. Et aujourd'hui, on va voir comment étaler la pâte. Et sans l'aide du rouleau. Parce qu'avec la pizza, on n'utilise pas de rouleau. Voilà. Et puis, on verra aussi pour les ingrédients comment doser. Parce que sur une pizza, il faut doser ses ingrédients sous peine de se retrouver avec une pizza pleine de flotte. Voilà. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc voilà, donc ça fait 3 jours qu'on a fait la pâte. Le pâton, voilà, comme vous pouvez voir, il a gonflé. Il a gonflé, puis alors on va voir comment faire. Pour le pâton, on dit qu'il faut le sortir, on va dire, du réfrigérateur une heure avant, voire deux si votre réfrigérateur est très froid. Mais sinon, une heure avant, ça suffit. Donc voilà, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pâton et c'est qu'on va le tremper en fait dans la semoule. Parce que vous allez voir, en fait, le pâton, quand vous le sortez, il est collant. Alors, il y en a qui utilisent aussi de la farine, donc on peut le tremper dans la farine. Mais la semoule, je trouve que c'est mieux. Il y a un petit côté croquant et croustillant qu'on n'a pas avec la farine. Et alors, pour la semoule, c'est pour surtout prendre de la semoule fine. C'est très important. Voilà. On a fait aussi la sauce tomate. Donc, sauce tomate maison. Voilà. Donc, alors moi, pour la sauce tomate, j'alterne. Alors, un coup, j'utilise des tomates entières pelées au jus. Et sinon, un coup, de la pulpe de tomate chez Muti, qui est une très très bonne marque italienne. Voilà, donc ça c'est au choix selon vos goûts. Aussi au choix si vous voulez la mixer avant ou la laisser en morceaux. Mais voilà quoi. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est de réduire la sauce avant. Avant, quand vous faites votre sauce tomate, c'est de la réduire, passer à feu doux pendant une petite heure. En tournant de temps en temps, histoire de retirer l'eau, parce que vous allez voir que la pizza, surtout si vous chargez trop votre pizza, ça rend plein de flotte. Voilà. Donc c'est la petite astuce de la réduire avant à feu doux. Alors voilà, moi j'ai ajouté, alors dans la sauce tomate on peut voir, j'ai ajouté herbes de Provence, origan, un filet d'huile d'olive. Et puis pour ceux qui veulent, une petite pincée de sucre pour casser l'acidité si vous trouvez que la sauce tomate est trop acide. Voilà. Et donc sinon pour le fromage, alors pour le fromage, moi ce que je fais, c'est que j'achète des pains de mozzarella que vous trouvez en grande surface. Et je mixe le tout, mélangé avec de l'emmental. Donc 3/4 mozzarella, un quart emmental, c'est plutôt un bon ratio. Et puis si vous avez des restes de fromage, vous pouvez aussi les mixer. Puis ça vous fait, voilà, ça vous fait après ça vous fait ça. Moi je rajoute en plus des herbes, du poivre, voilà, j'assaisonne un peu comme je veux. Et ce que je fais, c'est que j'en fais pour 10 sachets comme ça, que je congèle. Et comme ça, quand je veux faire une pizza, j'ai juste à la sortir du réfrigérateur ou du congélateur, voilà, et voilà, et c'est prêt le temps que ça décongèle. Voilà, donc je vais vous montrer, on va sortir le pâton, puis on va le tremper dans la semoule. Donc voilà, je vais sortir mon pâton qu'on a bien sûr huilé avant. Donc vous voyez, au bout de 3 jours, il y a une belle coloration. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il y a une belle coloration. Et puis, vous allez voir, normalement, ça doit se... Voilà. Ça se démoule facilement, comme on a bien huilé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend son pâton et on le tourne. Voilà. Un peu sur les côtés. Hop. Donc l'important, c'est que ça ne colle plus. Si vous sentez que ça colle, il faut continuer de tremper dedans, que ce soit de la farine ou de la semoule, hein. Mais le plus important, c'est ça. Voilà. Puis quand on l'a suffisamment fait, voilà, on le laisse un petit peu.
On va le laisser quelques minutes, histoire de reprendre un peu sa forme. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on a attendu quelques minutes et maintenant on va étaler le pâton. Alors, on commence par appuyer légèrement comme ça avec le plat de la main. Et ensuite, on va venir créer en fait, si vous regardez bien, on va venir créer le trottoir. Voilà, sur les côtés. Voilà, et puis ensuite, une main fixe. Oups, une main fixe et ensuite on tire. Voilà. Et normalement, vous allez voir, ça se fait tout seul. Alors, on n'hésite pas aussi à... Voilà. Mais vous voyez, hein, 3 jours après, la pâte, c'est du chewing-gum. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Alors, s'il y a des bulles d'air, si vous voyez des grosses bulles, c'est bien de les éclater avant, voilà, d'appuyer dessus. Moi, c'est ce que je fais, sinon ça gonfle à la cuisson et des fois, c'est pas terrible. Mais par contre, on n'utilise vraiment pas de rouleau parce que le rouleau, en fait, le souci du rouleau, c'est qu'il va venir... voilà, là, elle est pas mal. Le souci du rouleau, c'est que ça va venir, en fait, écraser... justement tout l'air tout l'air accumulé. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai du mal à parler et à travailler en même temps, à travailler la pâte en même temps. Voilà, donc on a quelque chose de plutôt pas mal. Alors moi, ce que j'utilise, sachant que j'ai un four à pizza, et surtout, comme je les aime bien grandes, donc voilà, 40 cm, je sais pas si vous voyez, voilà. J'utilise une grille de cuisson. Alors, la grille de cuisson, ça va permettre en fait de cuire uniformément la pizza. Et ce que je fais, moi, c'est que je la retire en fait à mi-cuisson pour profiter de la pierre ensuite lors de la cuisson. Donc voilà, donc on étale. Donc voilà, c'est à peu près, c'est le diamètre que j'aime bien, quoi. Voilà, là on est pas mal. Donc on va ensuite venir garnir avec la sauce tomate. Alors, comme je vous disais, ne pas mettre trop de sauce tomate. Parce que si vous mettez trop de sauce tomate, vous allez avoir plein d'eau. Ça va rendre de l'eau. C'est pour ça que c'est bien avant de la réduire à feu doux. Voilà. Alors moi je prends mon temps, hein. Je ne fais pas comme les pizzaiolo, vous pouvez voir, qui font ça en 30 secondes. Hein. Déjà je ne suis pas pizzaiolo, je fais ça par passion. Donc voilà, je prends mon temps, j'ai le temps. Voilà. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Voilà. Mais c'est important de voir tous les gestes. Alors comme je vous disais, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un four à pizza. Hein. Vous pouvez utiliser sans problème un four traditionnel en mettant une pierre à pizza à l'intérieur et puis vous aurez un super résultat. Hein. Après, pour ceux qui veulent un four à pizza, le mien, il faut compter environ entre 250 et 300 euros voilà, pour avoir quelque chose de convenable. Mais c'est pas mal du tout, hein. Vous allez voir, c'est même très bien. Alors voilà, donc voilà, j'ai mis ce qu'il fallait de sauce tomate. Donc à présent, je vais mettre le fromage. Donc le fromage, c'est 250 grammes. Je les pèse et tout à chaque fois pour faire 250 grammes à chaque fois. Donc voilà, je viens parsemer ma pizza de fromage. Donc à l'origine, moi j'adore les rennes, mais depuis que je suis devenu végétarien, j'ai supprimé le jambon. Donc si dans les commentaires vous connaissez du bon jambon végétal, je suis preneur, hein, n'hésitez pas à me dire, parce qu'en attendant,
ce que j'ai goûté, c'était pas terrible. Donc je préfère m'en passer. Voilà, je préfère mettre un œuf dessus, c'est mieux. À la rigueur. Voilà. Donc voilà. Donc le fromage, hein. Moi je mets tout. Il y en a qui aiment bien remettre une couche à la fin. Moi je préfère faire une base sauce tomate, une base fromage et ensuite une base jambon pour ceux qui mangent du jambon et la champignon pour moi. Voilà. Donc les champignons. Donc champignons de Paris. Alors pareil, les champignons, il ne faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, ça va vous rendre de la flotte et ça va être, ça va pas être terrible, quoi. Ça va pas être terrible du tout. Parce qu'une pizza trempée, c'est pas agréable. Alors déjà, dans un vrai four à pizza, quand c'est trempé, ça tombe sur la pierre. Et alors là, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut de champignons. Et pour finir, un petit œuf. Et oui, il faut des protéines. Et donc, pour terminer, l'origan. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est en mettre, vous voyez, autour de, sur le trottoir, comme ça. Déjà, pour y donner un petit... Parce que lors de la cuisson, ça va libérer tous les arômes et ça va être super bon. Et puis à la fin, bien sûr, bah, ce qui reste... Voilà. Moi, j'aime bien l'origan, donc j'hésite pas à en mettre, quoi. Voilà, bah écoutez, elle est prête, on va aller enfourner ça, hop. Alors voilà, alors comme vous voyez, moi j'utilise une pelle, je mets la grille sur la pelle, comme ça la pizza elle peut être plus grande, et puis on va aller enfourner ça. Voilà, voilà. Dans le bon four à pizza. On enfourne. Et puis on va attendre quelques petites minutes. Alors comme vous pouvez le voir là, donc elle est bien sur la grille. Et puis comme je vous ai dit, à mi-cuisson, on va retirer la grille. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a commencé à bien gonfler. Donc on va pouvoir retirer la grille comme on est à mi-cuisson. Et tout de suite, on la réenfourne. Voilà. Et donc là, encore, bah, encore deux petites minutes et la pizza sera prête. Alors aussi, il ne faut surtout pas hésiter à regarder en dessous avec la pelle, comme ça, on regarde, et à faire tourner la pizza sur elle-même. Voilà, pour qu'elle cuise uniformément sur la pierre. Voilà, donc bah là, la cuisson est bonne. Donc, on va sortir la pizza que voici. On ferme le four. Donc, voilà la pizza sortie du four. Donc, comme vous pouvez voir, elle a une belle coloration. Vous voyez, elle est... Vous entendez ? De belles bulles d'air. La garniture n'est pas cramée. Voilà, c'est la bonne cuisson. Et puis si vous regardez en dessous, voilà, vous pouvez voir, ça a profité de la cuisson à la pierre. Donc voilà. Voilà pour la pizza. Donc après, vous pouvez aussi, bien sûr, si vous aimez ça, bah, huile piquante. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de vous acheter un four à pizza parce que, croyez-moi, c'est vite rentabilisé si vous aimez ça. Voilà, bah écoutez, bonne continuation à vous et bonne cuisine et bonne pizza.